Bonsoir et bienvenue sur Télécréole dans votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui, en première partie d'émission, nous recevons deux personnes qui sont un couple en plus et un couple d'artistes, comme c'est bizarre. Un couple, donc nous recevons Julie qui est artiste peintre, dessinatrice. Enfin, elle va nous expliquer un petit peu à quoi consiste son métier, ce qu'elle fait surtout, parce que c'est juste magnifique. Et son cher et tendre mari, Caf Rouge, qui est musicien, producteur de spectacles. Enfin bref, voilà, on va apprendre ensemble, vous et moi, à mieux les connaître. Et surtout, il va falloir rester avec nous, car juste après, nous aurons Jismira Aboudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise, en espérant qu'il n'y ait pas de politique. Mère, bonsoir Jessica. Bonsoir Jessica. Ce repas, ce déjeuner de midi, comment ça se passe? Eh bien, ça, c'était pour ça, la petite vengeance. En fait, c'était une grosse balance. Oh, j'ai le bilan qui cause, en fait. Bonsoir à tous, bonsoir Jessica, bonsoir à vous. Alors, l'information, bien sûr, ça reste tout ce qui se passe actuellement, que ce soit dans le Sud aujourd'hui avec autant la grève des employés communaux. Hier, il y a eu les jeunes du lycée du Sud qui ont manifesté parce qu'il fait trop chaud dans les classes. Il y a donc toute cette, je dirais, cette évolution sociale qui on est dans la période. Il y a aussi cette dépression qui se situe dans l'océan Indien pour l'instant. Ils viennent d'Australie. Donc là, il y a une évolution quand même. Ça se rapproche un petit peu. On verra ce que ça donne dit pour le week-end. Reste que pour nous, on va voir dans l'émission d'aujourd'hui, dans la partie qui nous est réservée pour l'info, on aura le plaisir de recevoir d'abord Sonia Serra, qui grâce à un crowdfunding a réalisé son challenge, c'est-à-dire de créer une entreprise de pousse-pousse. Pousse-pousse, je me rappelle de pousse-pousse, c'était la glace. C'est ça, on est d'accord, la glace, et tu poussais. Et tu l'as mangé, tu poussais, tu l'as mangé, puis à la fin, je crois qu'il y a des petits bonbons. Je ne suis pas sûre de mon coup. Mmh. Mais on appelait ça pousse-pousse. Alors, c'est ce pousse-pousse-là ou ce pousse-pousse-là? Le deuxième. Ce pousse-pousse-là. Mmh. OK, vers la porte. OK. On y va. Et ensuite? On sera également après Virginie Salé, qui est de l'éducation nationale. Je vais bientôt finir par y arriver. Elle grâce... Mais détends-toi, j'y suis. Continue à te payer ma tête. Mais pas du tout. Mais tu sais que, pour en revenir, je fais juste une petite transition. T'as entendu parler de cette école à Saint-Louis où les parents demandent qu'à l'école soit désenvoûtée. Alors, la régie, appelez un désenvoûteur, s'il vous plaît, pour le plateau. Il y a eu un désenvoûteur. Effectivement, il y a eu un désenvoûteur devant le collège, comme nous vient de préciser la régie. Mais sauf que les forces de l'ordre sont venues le dégager. Parce mais je crois qu'ils ont filmé un petit bout. Oui, ils ont filmé un petit bout. Comme ça. Oui, en fait, c'était tout le monde dit que c'est une tension nerveuse. Des parents parlent d'esprit. Les élèves ont été, soi-disant, habités par un esprit. Esprits, moi j'ai vu ça au pluriel. Et puis, il y avait beaucoup de gamins, en fait. C'est parce qu'il y avait beaucoup de gamins qui étaient concernés. Plus d'une vingtaine en 10 jours, je crois, un truc comme ça, ce qui est quand même un peu surprenant. Comme on n'a pas ni la cause médicale, ni la cause parapsychologique, donc... pour l'instant, il vaut mieux... L'esprit, laisse les autres tranquilles, quand même. Il vaut mieux ne pas se gausser de cette situation. Je voulais revenir à Virginie Salé, donc, qui a créé une organisation pour pouvoir faire une association pour les palettes de marguerite, faire du travail en atelier, transformer, recycler donc les palettes. Et en dernière partie, on recevra Claude Caderby, une ancienne conseillère régionale, qui va nous parler un petit peu, d'une part, de ce qu'elle fait aujourd'hui, aux Avirons, puisqu'elle est conseillère municipale aux Avirons, et aussi quelle est la vie après avoir été conseillère régionale pendant 6 ans. Donc voilà, globalement, on va rester sur ces éléments-là. Il est vrai que pour la politique, c'est la semaine prochaine, le 23, et pour ceux qui s'intéressent, c'est ce qu'on appelle les OB, qui vont être votés par la région Réunion. Les OB, ce sont les... orientations. C'est pas un truc qu'on te fait manger, j'espère. Ce sont les orientations budgétaires. Sur quelles planches, sur lesquelles se penchent actuellement les conseillers régionaux de la majorité, mais aussi de l'opposition. Il y aura des motions qui seront déposées sans doute dans les deux camps. En tout cas, c'est vrai que pour la première année de cette nouvelle mandature, présidée toujours par Didier Robert, il y a aujourd'hui des fléchages qui vont se faire, il y aura des orientations budgétaires, il y aura l'arbitrage du président et de la majorité, il y aura aussi
ce que l'opposition va appeler une opposition constructive. Oui, des tournements de fond, des petits trucs comme ça, c'est pas grave, hein. C'est que l'argent public, hein, de toute façon. Mais bon, on va s'amuser, je le sens bien. Je peux pas aller sur ce terrain-là. Non, mais moi si. C'est pour ça, on va s'amuser un petit peu. Merci, Jismi. C'était bien sympathique. Ça va être bien sympathique tout à l'heure. Alors, donc, je disais qu'en première partie d'émission, nous avons un couple d'artistes. Mais alors, un couple d'artistes qui ne font pas du tout la même chose. Alors, l'une dessine et l'autre fait de la musique. Et je trouve ça assez sympathique. Bonsoir, Caf Rouge. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. Ça va. Très bien. Donc, je disais, musicien, dessinatrice, comment on dit ? Dessinatrice, peintre. Graphiste. Graphiste. Voilà, on va dire graphiste puisque ça regroupe pas mal d'activités. Donc on va dire graphiste. Comme ? Je fais de la peinture, je fais du dessin, du crayonné. Je suis graphiste sur l'ordinateur. Aussi. Voilà, oui. Sur quel logiciel ? Alors je travaille sur Sai, c'est un logiciel japonais, et puis sur Photoshop, Illustrator. D'accord, donc ça va au-delà de la... Du simple crayon et du pot de peinture. Ah oui, après il y a aussi de l'infographie, oui. Oui, voilà, c'est ce que je touche un peu à tout, oui. Voilà, c'est le terme que j'attendais. Disons qu'actuellement, de toute façon, dans le domaine du design et tout ce qui est graphisme, de toute façon, il faut avoir toutes ces compétences. Donc c'est un acquis obligatoire, parce que ça va tellement vite, et voilà, il faut vraiment être... C'est un milieu qui bouge énormément. L'infographie évolue très vite. L'infographie, ça marche mieux quand on sait dessiner ? Oui, beaucoup mieux. plus simple ? Plus évident. C'est plus facile à appréhender, en fait. Mm. Au niveau des techniques, ça se rapproche énormément de ce qu'on va faire en dessin, en peinture. Et après, il faut faire des tutos, il faut travailler en fait, les techniques sur l'ordinateur. Mais il y a énormément de similitudes avec ce qu'on peut faire avec un pinceau. La palette graphique... obligatoire. Comme nous rappelle la régie. Oui, oui, merci Alexandre. De rien. Et CAF Rouge, CAF Rouge. Alors pourquoi CAF ? Pourquoi rouge ? Parce qu'en fait, tu ressembles très loin d'un CAF en fait. Non, mais c'est pas ça, c'est Javel. Tu vois, il est un peu rouge. Voilà, je suis rouge, mais après, je suis tombé dans un bac de Javel quand j'étais petit. Revendication. Un bac de Javel quand t'étais petit. Revendication identitaire. Oui, c'est vraiment... Est-ce que tu veux porter plainte ? Elle s'en occupe. Non, alors, sérieusement, non. En fin de compte, c'est un petit nom gâté. D'accord. Voilà, c'est juste un petit nom gâté. Et après, effectivement, il y a aussi de la revendication. On va dire que dans l'idée, en fin de compte, c'est le petit nom gâté est arrivé justement du fait que j'ouvrais un peu trop grand ma gueule. Voilà, pour faire simple. Oui, parce que pour l'anecdote, à l'époque, pour nous, les Yab qui avaient les cheveux rouges, c'était soit Volcan comme nom ou bien Lancoustique. Où ? Lancoustique. Lancoustique ? Oui, Lancoustique. Ah, le truc rouge qu'on frottait avec le bois de coco et tout machin. Et oui, ma grand-mère faisait ça. Où tu te pétais la gueule systématiquement. Là. C'est ça. Là, c'était obligatoire. Il fallait marcher qu'en chaussettes parce que tu ne pouvais pas marcher autrement. On ne te rentre pas dans la case en chaussures. C'était techniquement impossible. De toute façon, si on ne prenait pas le patin, on entendait les parents. Ah, mais grosse pété. Ah ouais, le fameux patin. Et le fameux patin, non, mais ça c'est... Ouais, non. Et la brosse coco coupée à la... C'est ça, moi je me rappelle de la brosse coco surtout. Ouais. C'est de la brosse coco. Mais c'était une torture, hein, parce que tu passais tes mercredis après-midi. Hein, ça. Et puis ça a aidé quand même à apprendre à danser. À un moment donné, ça a aidé à prendre... Je comprends mieux maintenant. Non, je comprends mieux, Jésus. Non, j'ai dit pourquoi. Parce qu'on avait tellement marre de frotter ce parquet qu'à un moment donné, il fallait trouver quelque chose pour s'amuser, quoi. Et là, t'étais « y'a qu'à danser enfin, ». J'imagine, j'aurais bien dû mettre une petite souris pour toi. « Y'a qu'à danser ». Ah, ça prenait la tête, hein, franchement. J'imagine, donc CAF Rouge. Et on appelait les Yab comme ça ? Oui, CAF Rouge. D'accord. Et gardien volcan. Ça, je vois. Ça l'ai déjà entendu, mais... T'es belle et pas gentille quand même. Oh, toute la jarrie et tout ce qui est... Moi, je me rappelle, j'avais une copine qui avait des taches de rousseur à l'école. On appelait ça caca moustique. Oui. C'est moche. Ça existe toujours. Ticodane. Ça se fait encore. Hein. Ticodane, mais c'est pas grave. Parce que le codane, on s'en fout. On connaît pas trop ce qu'on sait. Quand t'es petit, tu sais pas trop ce que c'est, tu vois. Oui, non, mais justement. Tu fais que répéter. Mmh. Donc, mais caca moustique. Oui, c'est... On sait à quoi ressemble un caca en général. Parce que c'est petit, celui-là. Oui, ma petite gâtée à La Réunion, c'est un... Voilà, je veux dire, c'est... C'est culturel. Tigeant. Tigeant, Ticoc. Ça va ? C'était des Tigeant, ça va ? Ticoc, ça va ? Un Ticoc ?
On en a eu un, il y a ses plateaux. Comment je balance? Écoute, Julie, on va revenir à Julie parce que j'y suis, j'arrête pas de lui faire rire depuis ce matin en fait. ça va aller, calme-toi. On va regarder un petit peu ce que fait Julie, parce qu'on a un peu parlé de ce qu'elle faisait, de l'infographie, de la peinture, du dessin crayon, c'est ça tu disais? Ouais, excuse-moi si des fois je me trompe, parce que je connais pas du tout le dessin. Je te ferai un dessin tout à l'heure, tu vas m'en faire un tout à l'heure, pendant l'émission d'ailleurs, et je t'en ferai un. Tu vas comprendre pourquoi je ne connais pas trop. On va regarder quelques images de ce que tu fais, parce que c'est juste splendide. Et ça, c'est pareil. Alors, ça, c'est de l'infographie. C'est de l'infographie. Ça, c'est de la peinture. Donc là, on a du crayonné, de l'infographie. D'accord. Ça, c'est du crayonné. Ça, c'est du crayonné. Oui, c'est du crayonné. Ça, c'est de la peinture. C'est vide. Donc, c'est que de la peinture à l'huile. Donc, pareil, peinture à l'huile. Et ça, c'est de l'infographie. Peinture à l'huile aussi. C'est juste magnifique. Donc, ça, c'est quoi? C'est de la peinture. Oui. Ouais. Ok, ça, bah c'est de l'infographie aussi. Mais c'est super, mais l'infographie, c'est compliqué quand même. C'est plus compliqué en infographie que le dessin, enfin à la main. Oui, l'infographie est plus compliquée que le dessin à la main. Par contre, c'est moins complexe que la peinture à l'huile. Faut quand même faire regarder, parce que l'infographie, quand on aura dessiné un élément, on peut le multiplier. Avec le... Ça dépend du logiciel. Oui, copier-coller. Oui, avec le logiciel, oui, en copier-coller. Non, on va dire par exemple. Bon, ce que moi je fais, c'est pas possible. Ça, c'est Tiloun. Oui, c'est Tiloun, oui. Ça, c'est un one-shot. Alors, ouais. Moi, je l'ai vu faire, je te dis franchement, ça, c'est pas ce que tu peux voir avec les mecs qui te font du Photoshop à deux balles. C'est vraiment... Non, je veux dire, là, c'est pas un copier-coller, quoi. C'est un trait. Tu as la tablette et tu y vas. C'est comme si tu avais une feuille, quoi. En fin de compte, c'est ça le principe. C'est le même principe. La seule différence, c'est qu'au niveau de l'utilisation, en fin de compte, des outils, je veux dire, par exemple, pour avoir un estompage comme ça, au niveau du blanc, par exemple, là, tu vas prendre un chiffon, tu vas prendre les gommes, tu vas tuer. Voilà, alors que là, tu vas prendre juste la palette que propose Photoshop. Ouais. Voilà. Alors non, là pour le coup, c'était sur Photoshop, size. C'était le logiciel japonais dont je te parlais tout à l'heure, donc Sai. Et bah, le principe, c'est le même principe qu'avec crayon, papier, gomme, c'est la même chose. Bien sûr, tu vois bien le dessin, tu vois, c'est estompé et tu vois, t'as les traits blancs, t'as les traits noirs au niveau des cheveux et tout. Et c'est vraiment, ça donne le même aspect que la graphite, que le crayon. Voilà. Bah, là, sur celui-là, il y a quand même une inspiration manga. Ah oui, bah après c'est bon. T'as été aidé parce que t'as dit que c'était un logiciel japonais. Bah après non. Effectivement j'ai une petite tendance sur le manga. J'ai cherché depuis tout à l'heure à regarder ces dessins, entre la part de rêve qu'il y a dans les plantes et les visages qui sont arrondis, c'est vraiment bien fait. Merci. Combien de temps comme ça, c'est Daniel Waro? Oui, c'est Daniel Waro et c'est celui-là, je sais plus. Combien de temps tu passes entre Philippe Zora, Tiloun qu'on a vu Tu peux compter une heure et demie selon. Selon qui c'est. Oui. Bah, après, ça va dépendre de la photo. Par exemple, Tiloun, ça m'a pris moins de temps parce qu'il a un visage plus rond, plus facile à interpréter. Donc lui, ça a été plus rapide. Mais après, sur certains autres comme lui, bah, par exemple, j'ai mis du temps avec les cheveux. Les cheveux. Voilà. Mais parce que c'est fait trait par trait, quoi. D'ailleurs, il en a plus là sur nos dessins qu'à l'original. L'original. On va dire que la photo date. Je pense qu'il va te remercier. Mais il y a quand même une envie d'aller dans les arrondis aussi. Oui. Oh oui, j'aime bien les choses rondes. Ouais, Il aime bien les choses rondes. Bravo. C'est sympa. Bon, alors, elle est où la sortie? J'ai pas cherché. Tu m'attends pas? Non, tu repars pas avec moi. Tu attends. Cherché à créer des problèmes de ménage, mais j'ai essayé de comprendre les arrondis dans les... Oui, c'est quelque chose que j'aime bien, de toute manière, ça se voit, c'est très... T'as de la marge, Car. T'as de la marge, tu peux y aller. Non, c'est vrai que ça amène quand même une douceur, voilà. C'est ce que ça apporte, les arrondis, dans ce qu'on a vu. C'est bien que ça se voit. Toi, tu aimes la douceur depuis lundi, hein? Le romantisme. Je sais pas depuis. En fait, tu sais quoi? C'est depuis ton petit polo rose. Je sais pas, je t'ai dans le nez. tu vas le brûler, ce polo, c'est sûr. Ah, ça m'étonne. Et Caf, alors, vas-y, raconte-moi un petit peu. Où sort ton musique, en fait? Tu fais de la musique depuis combien de temps? Je te pose des questions, moi je le sais, hein, parce qu'on en a parlé ce week-end. Mais les téléspectateurs, pas vraiment. Alors, en gros,
depuis à peu près une quinzaine d'années où je commence vraiment à travailler sur le sur la composition, la création, la production tout simplement, mais vraiment on va dire à un niveau beaucoup plus avancé. Mm-hmm. Mais sinon après j'ai commencé voilà comme tous les petits gars avec la gratte sur la plage, essayer de ramener des gonzesses à 15 ans quoi, tu vois, le truc débile quoi, tu vois, je dis mais obligatoire, c'est le passage obligé. Après est-ce que ça après, marchait, non, t'inquiète pas, je rentre chez moi ce soir, il y a pas de souci, ma femme elle, elle c'est t'en es sûr? Ouais. Alors, il faut savoir que c'est moi qui conduis. Juste une petite parenthèse, on va souvent voir Julie en train de gratouiller. C'est pas qu'elle s'ennuie sur le plateau, je vous rassure, c'est qu'elle est en train juste de nous faire un dessin le temps de l'émission. Voilà, donc on revient à toi, Caf. Oui, d'accord, oui, donc la question c'était... Ouais, ça vous sorte en fait, ouais, donc t'as commencé à la guitare à l'âge de 15 ans pour les filles. Ouais, non, mais pour les filles, non, mais est-ce que ça représentait, c'est pas vraiment ça, marcher, c'est-à-dire. Est-ce que ça marchait? Ah, pour les filles, est-ce non. Que tu as non. Une belle étopée. C'est non, non, non. C'est la guitare, parce qu'à cette époque-là, à la guitare, c'est du rock. Non mais à l'époque, de toute façon à l'époque c'était du Nirvana, c'était du Smashing Pumpkins, c'était ça vraiment ma daube, hein, franchement ouais. Je te dis, après je suis passé, je veux dire moi j'ai grandi... C'est bien, c'est vraiment ma daube. Ah non, non mais vraiment sans déconner, moi je t'explique, en gros moi j'ai grandi dans un quartier de la montagne qui s'appelle Ruisseau Blanc, chez ma grand-mère, et l'idée en fin de compte c'est que là-bas j'avais mon tonton, de 9 ans plus que moi, qui écoutait du James Brown et du Steel Pulse, donc en réalité moi j'ai grandi avec ça, après je rentrais à la case, et ma mère écoutait du Jacques Brel, donc tu vois au final moi j'ai une culture qui est du Daniel Warreau aussi à l'époque. Vachement éclectique. Voilà. Éclectique. Bah on va dire que c'est surtout par rapport aux personnes chez qui on va dire avec qui je restais le plus souvent, donc le tonton, la maman, etc. Donc au final au niveau de la musique, tu vois je suis pas allé vers le reggae parce que maintenant je fais du reggae, mais je suis pas allé vers le reggae automatiquement, c'est-à-dire que ça c'est un... Je sais pas, ça devait être dans les gènes, j'en sais trop rien, mais je veux dire, j'avais ce tonton qui écoutait du Steel Pulse, qui était déjà musicalement, on va dire que ce reggae-là est quand même assez particulier. C'est pas du Bob Marley, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus technique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très populaire chez Steel Pulse et en même temps de très technique. On va dire que les musiciens, c'est des Anglais. Ils ont le côté roots, mais ils ont surtout un bagage britannique. Et les Britanniques en musique, ils sont juste au-dessus du panier, quoi. Je veux dire, tu peux chercher où tu veux. Les Américains sont bons, les Français sont bons, les Japonais, enfin, propre. Les Britanniques. Eux, c'est, voilà, c'est derrière le soleil, quoi. Les gars, ils sont loin, loin, loin. Donc au final, ils ont réussi à ramener ça dans leur musique. Et toi, quand tu grandis avec ça, forcément, tu vois, il y a des petits trucs comme ça qui s'incrustent dans tes gènes, dans ton cerveau, dans ta façon, en fin de compte, de penser la musique. Et après, à côté, tu as du James Brown. Donc le James Brown, c'est le côté vamp, là, le côté un peu plus dynamique, naturel. Parce que James Brown, c'était deux accords, une batterie des cuivres, mais c'était vraiment... chacun avait une partie, c'était en gros poète-poète, boum-boum, machin. Mais ça tenait sur vraiment deux mesures, quoi, les gars. C'était pas non plus de la grande musique, hein, c'était vraiment juste de l'énergie. C'était pas chiadé, on va dire ça comme ouais, ça. Ouais, ouais, c'était vraiment plus il allait faire l'essentiel, c'est-à-dire vraiment communiquer son énergie à travers la musique c'était, au public. C'était, boum, c'était boum boum parce que c'était pour danser. Oui. Oui, c'était surtout ça. Non, mais disons que c'était une volonté vraiment, c'était une volonté de la part du personnage. Faire cette musique. Dire, parce que quand tu écoutes ce qu'il faisait au début, tu sais, avec Man's World, etc., quand tu écoutais ce style musical qui était beaucoup plus slow, beaucoup plus. Ouais, sous la musique, mais voilà, et quand il a commencé à faire un petit peu plus de la funk, enfin ouais, en gros, c'est... De toute façon, il y a pas mal de musiciens qui le disent, c'est lui qui a inventé la funk. Enfin, lui, son groupe, parce que lui, il était pas musicien, mais bref, je veux dire, son énergie, parce que c'est quand même lui qui portait cette énergie-là, je veux dire, voilà, tu s'incrustes tranquillement dans ton sang. Et je veux dire, après, arrivé à la case, quand t'écoutes du Daniel Warreau, la langue créole, voilà. Après, quand tu écoutes du Jacques Brel, la langue française. Donc, il y a une façon d'écrire, une façon de dire les choses. Et moi, j'ai grandi là-dedans, en fin de compte. Et après, quand j'arrive à 15 piges... Pour revenir justement sur tout cet éclectisme qu'il y a, comment toi, tu as réussi à te dire, voilà ce que moi, je vais faire, voilà ce que je vais sortir, la quintessence que je vais sortir de toutes ces musiques-là. Alors, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est que je ne me suis pas posé la question de la quintessence ou de ce que je vais sortir. J'ai juste dit, qu'est-ce que j'aimerais bien entendre? Parce que le truc, c'est que tu entends des trucs à la radio, tu entends des trucs à la télé, maintenant avec Internet, moi, à mon époque, il n'y avait pas... Internet, ça commençait à peine, hein, je veux dire, c'est les années 90, Internet, donc tu n'avais pas forcément accès. Donc on avait surtout des cassettes piratées, pas, des trucs comme ça, mais... Pas ouais. Sûr. Mais tu en fin de compte, tu te dis pas ça, tu te dis pas, ouais, je vais faire un truc plus que les autres, je vais créer un style. Moi, je n'étais pas dans cette optique-là, j'avais plein, enfin, des gens que je croisais, voilà, qui me disaient, ouais, moi, certains affaires, ouais, les affaires dangereuses, ouais, mais ça crée un style, ça crée le reggae, le métal. J'ai même à un moment, j'ai entendu du raga métal. Les gars, ils inventaient des tas de trucs, c'était marrant, mais c'était pas ça mon délire. Mon délire, c'est simplement d'entendre quelque chose qui me plaisait déjà dès le départ, qui me parlait. Donc après, bon, il y a eu des expériences,
pas mal de trucs assez étranges, mais je veux dire, à un moment, voilà, à un moment, je me suis trouvé, quoi. À un moment, j'ai ouais, réussi là, à... Tu cherches un petit peu pendant pas mal de temps. Ah ouais, mais c'est obligatoire, de toute façon, je veux dire... Et est-ce que tu peux nous montrer à quel point tu t'es trouvé, là, à l'instant? Je vais vous montrer ce que je vais proposer cette année, un petit peu, sur les scènes de Lille, mais après, ouais. C'est, est-ce que ça va vraiment correspondre au charabia que je viens de dire? Je suis pas sûr, je suis... Non, c'est... Non, 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 on a tout compris. Les charabia, ça nous comprend, ça nous connaît. J'avais juste une question. La musique, c'est pour le plaisir ou c'est pour les autres, le plaisir des autres? On va dire que la création, c'est pour... quand tu crées, forcément, tu te fais plaisir. Forcément, tu cherches quelque chose. Je veux dire, après, c'est pas inaccessible, c'est juste un instant. Tu cherches à l'instant, à un moment. Après, une fois que tu l'as fait, de toute façon, c'est forcément pour les autres. Parce que dans la musique, et ça, il faudra qu'il y a pas, enfin, il y a pas mal de musiciens qui l'ont compris, et beaucoup plus qui ne l'ont pas compris, c'est que la musique, à la base, c'est pas fait pour reste la case, quoi. C'est pas fait, c'est-à-dire, voilà, c'est pas non plus un petit délire perso, où les mecs qui sont sur scène, t'as l'impression qu'ils partagent rien avec toi. Ils sont juste là en train de faire leur petit bœuf. La musique, c'est un truc vraiment où tu dois partager avec les gens. Tu dois vraiment leur donner envie, en fin de compte, d'être là, enfin non, de se plaire là où ils sont. C'est plus ça, c'est-à-dire qu'ils sont devant toi, ils vont écouter la zik, il faut vraiment que ça... Enfin, voilà, moi je le vois comme ça, après, c'est mon avis. C'est vrai que... Bref. Bon, alors, allez, je vais te jouer quoi? Je vais te jouer Zot, donc je vais te laisser écouter, tu verras quoi. Lela somo po de triano edomina ter. Zot ve pa apren ni kompren lo diferencite. San sa zot y fe manier dans zot mauvais kader asem zot l'erreur. San sa zot y fe manier. Asem, 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 zot l'erreur. Depuis que l'homme y connaît que les gays, s'il y va, y connaît que les crases, s'il y va dans l'oké à 7, l'y va comme l'y va. Depuis que l'il a compris dans ce monde, faut choisir en deux mounes, les ici ou bien alors que la vie de piéton. Dis-moi en ce boulot, Maya pang la blague la lille apprend si ce mot. L'ité veille son dégote, fan à foutre l'élan, les notes. Mais dans son obstinence, à vouloir tout dominer, paraît qu'il avance vers son vérité. Zot l'éla sommant pour détruire à nous. Et domine la terre. Ça ne veut pas comprendre ni apprendre l'eau différencité. Sans ça, tu fais manière. Dans cette mauvaise cadère, sèmes autres l'erreur. Sans ça, tu fais manière. Sème, 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 sèmes autres l'erreur. Depuis que l'homme l'a calé, mettre car, pour qu'apparaît, bon dire sur le sens, la vie bon Dieu. Les esprits commencent à calme, la zéclité. Dominance, sec, son gosier, ça lissera jamais ragoulé. Un lingue, le temps est au va vendre, le pétrouillon fin col collé. Depuis tant, vois son va-t-il, viens, ziste. En cette corse au décor, en l'opé Camille, si ce mot. Fana l'amour, t'es clair fort, tout d'accord et conséquence, t'es naïci, mais dans d'autres l'obstinence, à vouloir tout dominer, par exact, y avance vers d'autres vérité. Zot l'éla sommant pour détruire à nous et domine la terre. Zot veut pas comprendre ni apprendre
le différencité. Messieurs, dames, c'est magnifique parce que du coup, c'est un reggae, mais c'est vachement nuancé quand même. Ouais, c'est ça vient, ça va, il y a des ponts partout, enfin c'est quand même... L'idée... La structure, elle est pas ce qu'on voit tout le temps. Elle est souple, la structure est vachement souple parce que déjà d'une part sur le projet de tournée, je suis en solo, parce que j'ai déjà l'idée d'un groupe, c'est en cours, on va dire que ça va rester dans le même état d'esprit, donc je prends en fin de compte, on va dire... le parti pris, quelle blague. On va dire surtout, je prends l'idée, l'objectif, c'est vraiment de mettre le texte en avant, mettre la mélodie en avant comme je peux, mais surtout mettre le texte en avant. Mm-hmm. Et du coup, la musique est beaucoup plus souple. T'es auteur de tes textes tous tes textes. Ouais, auteur, compositeur. Et, toujours en créole. Pas systématiquement, c'est vraiment plus ce qui vient, quoi. C'est vraiment ça. On va dire qu'il y a des textes en français très peu, parce que bon, ça vient pas, les gars. Hein. On va pas dire. Voilà, donc après, il y a des textes en anglais, et après, il y a beaucoup de textes en créole. On va dire que sur les deux dernières années, j'ai travaillé beaucoup de textes en créole dans le même état d'esprit. Mm-hmm. Là-bas, j'avais monté un groupe. Bon, c'est pas allé bien loin parce que j'ai eu vraiment beaucoup de soucis perso, mais bref. J'ai monté un groupe sur vraiment cet état d'esprit, c'est-à-dire d'avoir une espèce de son reggae beaucoup plus souple, beaucoup plus, pas technique, mais beaucoup plus vivant, simplement, mm-hmm. ne pas rester sur un break ou un c'est beat ça. Ou un rythme, boum boum boum, où les mecs couplé, franchement... Couplé, refrain, couplé, enfin voilà, voilà c'est voilà. Essayer vraiment de faire de la musique, voilà, la musique, voilà, c'était vraiment ça l'idée. Et après, en même temps, d'avoir un texte dessus qui soit un peu plus... pas forcément le cas, mais qui est vraiment un sens, ou même des métaphores, mais toujours sur un aspect créole, et ça c'était il y a deux ans que j'ai commencé un petit peu. Tu abordes quel thème dans tes morceaux en général? C'est assez varié, on va dire qu'il y a, des thèmes qui reviennent assez souvent, donc c'est tout ce qui est rébellion, révolution, enfin on va dire que... Enfin, c'est très reggae, ils ont tous les mêmes, ils travaillent les voilà, mêmes... Voilà, d'ailleurs, pourquoi d'ailleurs c'est... Parce qu'à la base, c'est quand même une musique de rebelle, c'est quand même une musique de contestation, c'est une musique aussi, je veux dire, voilà... quand tu sais comment est né le reggae, il est né en Jamaïque certes, mais c'est pas la musique des Jamaïcains à la base le reggae. c'est même pas encore la musique des Rastas, c'est la musique des Rude Boys. Les Rude Boys, c'est les cagnards, c'est comme si c'est des cagnards en fin de compte. Donc à la base, c'est les Rude Boys. Ouais, mais un cagnard, il peut parler d'amour aussi, tu sais. Et justement, et c'est là l'astuce, c'est que tu vois, ils ont une culture en fin de compte qui fait qu'ils étaient très influencés par les États-Unis, donc avec tous les slow, le rock yégué, toute cette tendance en fin de compte à Nat King Cole ou les trucs comme ça, tu vois, même Elvis et tout, ils ont été vraiment très très imprégnés. Après, bon, j'ai pas tous les noms, mais bref, ils ont une grosse culture comme ça ricaine, parce qu'ils captaient toutes les radios ricaines. Mm-hmm. Donc forcément, à l'époque, c'était tous ces trucs-là. Donc ils ont eu ce côté lover, mais d'un autre côté, ils avaient toute leur culture Biggin, leur culture Mento surtout, un peu comme notre Sega ici, hein. Ouais. Moi, je parle du Sega complètement. Années 60, hein. C'est un petit peu comme dans le style de Guillaume Legras, tu vois ce qu'il fait, un petit peu ce son-là, donc un vieux Sega avec les banjos et tout, machin, voilà, enfin, très 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 roots, on va dire, et ça, de là, il est sorti en fin de compte différents styles, et il y a eu le rocksteady, parce que par exemple, là, on parle de dancehall, actuellement, il y a une grande grande vague, enfin actuellement. Ça fait quand même 5 ans qu'il y a une grosse vague dancehall qui est plus... Enfin, pour moi, c'est plus du new roots que du dancehall, mais ça, le dancehall, ça existait déjà à l'époque de Marley. Je veux dire, dans les années 70, le dancehall, le mot est là, c'est la musique de boîte de nuit, point. Le reggae de boîte de nuit, ça existait. Oui. C'était vraiment avec un style. Un peu moins d'autotune, je pense, sur la voix, mais ouais. Ça existait. Oui, non, il y avait des vrais artistes, il y avait Dillinger, il y avait des trucs vraiment très, 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 très puissants, avec des vrais messages. Et justement, cette musique-là, on va dire que par rapport à ça, cette musique-là, elle est quand même. Elle est porteuse d'une contestation parce que, je veux dire, le reggae, on parle bien du reggae, elle est venue du rocksteady, certes, mais c'était les mecs qui ont repris ça, qui ont essayé en fin de compte d'avancer, de marquer mm-hmm. des points dans les studios parce que les mecs étaient payés quoi, allez, $100, ils ont enregistré leur truc, le truc était impressé, et au final, eux ils gagnaient que ça, hein, je veux dire, ils mangeaient leur rage, ils allaient dans le studio, ils sortaient leur morceau, mais ils touchaient aucun droit là-dessus. C'était le studio qui, en fin de compte, diffusait le morceau, récupérait les droits, enfin récupérait toute la thune. Et ils avaient été payés $100, c'est bon, on rentre de case, quoi. Donc au final, il y a une petite... Tu vois, et en plus, la Jamaïque, il faut bien dire que, politiquement,
Enfin, c'est un peu comme la Réunion avant l'indépendance. Politiquement, bref, on va revenir sur le sujet. Politiquement, c'était un peu la merde. Il y avait beaucoup de guerres civiles. Donc le Rude Boy, c'est quelque chose, c'était même plutôt naturel, tu vois. Mais le Rude Boy aussi, il s'inspirait du Rasta. Donc au final, cette musique-là est arrivée. La musique Rasta, c'est Naya Bingi. La musique jamaïcaine, c'est le Mento. Après, t'as des courants et c'est tout. C'est, mm-hmm. voilà, c'est... Alors, Caf Rouge, j'ai une demande bien particulière d'un de tes amis, apparemment. Ouais, oui, oui. Il m'a dit, surtout s'il passe à la télé, tu lui fais chanter Nuage. Ah. Alors, Nuage, il y a un standard Nuage de jazz, ouais. mais apparemment, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais c'est même pas Nuage, c'est Niaz. Niaz. Ouais. Niaz. Okay. Ouais, non, mais en même temps, que s'il est pas là, l'ami en question, parce que je vois très bien qui c'est là tout d'un coup, là, brusquement, soudainement. S'il est pas là, là, je vais avoir du mal un petit peu à le placer, le truc, là. Hein. Qu'est-ce qu'on en dit, là? Parce que là, franchement. Après, merci. Parce que l'origine, c'est son morceau. Oui, parce qu'à l'origine, j'ai écrit le morceau, je l'ai composé, mais quand j'ai vu ce qu'il en a fait, j'ai fait c'est bon, c'était pour toi en fin de compte. Ah bah voilà. Magnifique. Bah fais-nous un petit couplet refrain, ça lui fera plaisir quand il regardera parce qu'il nous regarde, je pense. Ouais, on va essayer, si je m'en souviens. Ni as la poca pam au soleil, poca c'est toute cette mi-voix, la vie n'a pris le goût de miel. Ramène-moi là-bas. Ramène six motis à ciel. Toute cette donne à moi la joie. Motiline avec son goût de miel. Ramène à l'été à la. Cette mi-vé, cette mi-aime. N'a longtemps que l'île a fin partie. Et à cette terre, moi les selles. Pour se battre avec tout mystère, la vie demain, même tout ici, nos rapides goûts et mon seul envie, c'est d'attrouver ton douceur, ton petit folie, ton grand l'amitié. Voilà. Juste un petit passage, parce que, franchement, merci. Le truc, c'est que, perso, je me le sens pas de le faire, parce que vraiment, il s'est accaparé et. Et quand j'écoute ce morceau, j'ai l'impression de chanter son morceau. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression de faire une reprise. Alors c'est moi qui l'ai. Super bizarre. Enfin, c'est affolant quand même. Comme tu écris, tu la chantes la première fois, il te l'entend, il te la chante, et finalement c'est plus le sien. Bah... C'est quand même, en général, c'est souvent l'inverse hein, qui se pose. On prend le morceau de quelqu'un, on essaie de l'interpréter aussi bien, et des fois on essaie de mieux, mais bon, c'est rarement le cas. Et. Ouais. Non, je dis ça des fois pour des reprises qui sont un peu. Ouais, j'ai bien compris le message, t'inquiète pas. C'est vrai qu'il n'est pas compris, bref. Et donc, du coup, c'est plus le sien. Ben, le truc, c'est que vraiment, j'ai composé des morceaux comme ça où, au final, comment dire ça, tu sens que c'est pas fait pour toi. T'as des trucs que t'arrives à porter. Je veux dire, en musique, il faut partager. Voilà, t'as des trucs où il faut vraiment que tu te dises à un moment, ouais, c'est bien joli, je l'ai fait, je fais le. Enfin, parce que t'as des mecs qui font le lover, des fois, tu captes pas trop l'idée. Tu vois, quand tu te dis, ouais, gars, ouais, connais quoi, ça rentre mon case, merci, t'es bien. Non, mais voilà, le truc, c'est que t'as des mecs qui font des compos et ils ont vraiment un vrai talent d'écriture. Tu vois, ils ont vraiment un vrai talent d'écriture, mais ils n'arrivent pas justement à passer le flambeau. À l'interpréter. Ouais, non, mais l'interpréter, après, c'est pas un problème. Je veux dire, chacun a son interprétation. Mais des fois, tu vois, tu as des morceaux qui sont vraiment faits pour d'autres personnes, qui ont vraiment un esprit, tu vois, qui ont vraiment quelque chose. Je veux dire, ça porte, quoi, ça porte vraiment. Et dans le cas de cet ami-là, donc on va dire son nom quand même, Marie Malher, donc Philippe Zora. Le truc, c'est que vraiment, il portait le texte. Il, je veux dire, même toutes les parties, il arrivait vraiment à le faire vivre, à le faire... C'est ça, il arrivait à faire vivre le morceau et ça dégageait quelque chose que lui n'arrivait pas à faire dégager. Voilà, je suis plus dans le... Ah bah, je pense qu'on va être obligé de vous inviter tous les deux, hein, parce que... Hein, qu'est-ce que t'en penses, Jismi? Hein? Jismi, il me parle plus, j'ai fini, il me fait la gueule. Il fait son petit coup de calcaire. En fait, je suivais le dessin. Oui, du coup, Julie te dessine aussi depuis tout à l'heure, de la main gauche. Oui, gauche. On précise. Ce qui est plus compliqué ou pas? Bah non, pour moi, c'est plus facile, hein. Alors, la question d'une vraie blonde. Attendez, on va dire à la régie de remettre le plan, et je vais demander à Julie d'enlever sa main sur le dessin pour qu'on puisse voir. Voilà. Le dessin. Retournez le dessin, voilà. Donne le proposé, voilà, comme ça on peut voir. Ah non, elle est en train de me dessiner. Ah non. Voilà, merci. Et à la régie, Alex qui dessine Julie en train de dessiner Jessica. C'est ça, on va rigoler.
Et donc, pas compliqué de... Combien de temps il te faut pour finir un dessin comme celui-là? Ah ben, ça dépend de ce que je mets dessus après, quoi. D'accord. Si je fais tout en crayonné, bon, ça peut prendre un petit bout de temps, quoi. D'accord. Ben là, je fais quelque chose de vite fait, histoire qu'à la fin de l'émission, il y ait quelque chose... Ben, il reste 10 minutes, même pas, hein. D'accord. Je me bouge un peu. Je te mets pas la pression, alors pas du tout. Je me bouge un peu. Il reste 6 minutes, on me prévient en régie, il reste 6 minutes. 6 minutes, j'avais mis un clip de côté avec Philippe Zora. Mmh. Toi et Philippe Zora, Similé ou comme où. Mais après, Similé comme où. Similé comme où. J'ai fait quoi là? Similé comme où. Non mais c'est pas grave, t'as le droit, hein, c'est non, bon. Non, 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 ça m'embête. Non, mais t'es bien quand même, y'a pas de problème. Hein, c'est bon. Ça m'embête, je suis perturbée. Similé comme où. Je suis perturbée, je suis me parler. J'étais trop méchante avec lui, donc du coup j'ai ma langue qui maille. Et non, en fait, je te disais que j'avais mis un clip de côté avec Philippe Zora. Et que finalement, après ce que tu m'as sorti sur Nuages, et je vais attendre. Donc on va continuer entre nous comme ça, je vais pas le passer. Et je pense que tous les deux, vous viendrez faire un plateau. Hein, il me parle pas toujours, continue. Même pas un oui dans la tête, J'ai dit oui. Et je pense que je vais faire ça. On va mettre le clip de côté. Et je vais vous laisser faire ça tous les deux parce que c'est super. Donc je vais te demander du coup, si je passe pas un clip, de me faire encore un live parce qu'on arrive à 6 minutes d'émission. Et je suis sûre que les téléspectateurs, ils ont adoré tout comme nous sur le plateau. Et voilà. Bon, on va essayer. Encore une compo. On va voir ce qui sort. Hein, parce que là, le truc, c'est que j'avais prévu 15 morceaux. Mais s'il reste 6 minutes, on va essayer de tout compléter. C'est ça. Ne me sois pas. Ouais, fais un medley. Non, je plaisante. Non, je veux pas. Non, je peux pas. Non, je suis HS là, je peux pas. Je veux bien te jouer un truc, mais après. Non, dit Jeff Antoine, il aurait pu faire ça. Voilà. Non, mais bon, c'est un peu. Je crois que Fabrice Fontaine doit regarder ce soir, donc on sera l'occasion de saluer Fabrice Fontaine. Okay. Bon, on va essayer un truc. Oui, ça va être dur à sortir ça. On va commencer directement par le couplet. Parce que je me sens. Tu sais quoi? Et c'est comme à la maison, ici. La réunion est là, c'est comme à la maison. Non, mais je me sens comme à la maison. Ouais, il fait un petit peu plus frais qu'à Saint-Pierre, mais bon. They won't give every day the teaching of their own camp. To achieve this goal, they do everything work to close the only open door. Yeah. If you want to break those boundaries to get your freedom. They won't let you do, you've got to understand that they just try to use ya. No, we don't want any more trouble on right here. No, we don't trust in them. They're still fighting. No, we don't want any more trouble war right here. No, we don't trust in them. They're still fussing for them. There is no conscience brotherhood in a place where we live so forsaken from the entire world. I've tried to give a reason for the persecutions on my people. Oh, we've got to understand that the next revolution will be not in the street but in opinions that we've got to share with each other in our common sense. Hey, no, we don't want any more trouble war right here. J'ai une petite question, vous avez des enfants tous les deux, ils sont trois. Ils sont aussi artistes que vous. Ça commence. Est-ce que la fibre a été passée? Oui, ça commence là. Mais en fait, au départ, ils ont eu du mal à démarrer parce que, bah, du coup, comme nous, c'est notre métier, bah, ça les frustre un peu, quoi. Ils aiment pas trop faire comme nous. C'est difficile quand il y a d'autres. C'est un peu normal. C'est un peu compliqué. On va dire qu'après, voilà, il y a toujours cette histoire de prouver. Donc après, comme ils grandissent, là, il y a celui qui est 13 ans. Damien, il a 14 ans. Stan, qui a 13 ans, lui, commence à faire beaucoup, beaucoup de musique. Damien, ça l'intéresse. Moi, il ne s'est pas encore vraiment trouvé dedans. Et puis, tous les trois, ils font de l'infographie. Ils ont la petite fibre artistique. Et puis, c'est bien grave qu'ils soient encore jeunes, de toute façon. Et, voilà.
et puis vu votre talent, des projets CAF Rouge, des projets Julie, vous avez un projet en commun? Voilà, on a un projet en commun, c'est Nation Créole, c'est une boîte de production de spectacles. Juste pour dire, est-ce que le dessin est terminé? Non, mais il n'est pas vraiment fini en fait. On peut le montrer, mais il n'est pas fini. Non, posez là, et la caméra, posez juste devant la caméra, voilà, comme ça on peut voir. Voilà. Ce qui est bien en dessin, c'est qu'elle a fait me gommer toute la cellulite. Et elle m'a fait des nichons qui ne tombaient pas. C'est pas mal. C'est efficace. Hein. C'est pas mal. Ça n'a même pas été photoshopé. Et sans Photoshop, tu vas, Jismi, pou, allez. Et donc, projet de maison de production de spectacle. Oui, voilà, la boîte est déjà existante, on a déjà nos artistes, et puis ben, justement, on commence à mettre en place, là, on reprend un peu après une courte pause l'année dernière, obligatoire. Hein. Donc là, on reprend, donc ensemble, donc on manage les artistes et on fait de la production de spectacle. D'accord, si les artistes veulent qu'on arrive à moins d'une minute d'émission, vous prenez encore des artistes? Bien sûr, donc de toute façon, vous cherchez Nation Créole sur Facebook. Nation Créole. Nation Créole, N-A-S-Y-O-N. Alors, c'est pas T, hein, c'est voilà. S-Y-O-N, Nation voilà. Créole. Et après Créole avec un K, tout simplement. Voilà, K-R. Et O-L, tout simplement. Et voilà, et à partir site, de là, voilà, vous vous occupez voilà. d'eux. De toute façon, vous cherchez voilà. sur Facebook, vous regardez, vous cherchez voilà, CAF Rouge. Il y a un site. Vous, voilà. Oui, je mettrai forcément un lien sur mon Facebook. Prenez contact avec moi en MP, il n'y a pas de souci, voilà. Donc, ok, merci. Donc, projet qui est en cours depuis... Voilà, on voyage les artistes. Donc après, voilà, c'est pour ceux qui ont envie de se professionnaliser, d'avoir... Enfin, voilà, c'est d'augmenter un petit peu le level, quoi, tout simplement. Voilà. Super, très bien. En tout cas, moi, j'ai été très, très heureuse de vous recevoir sur le plateau, deux artistes, n'est-ce pas, très chers téléspectateurs, un super dessin de ma face, de mon corps, sans cellulite, et les nichons qui tiennent. En tout cas, c'est super, voilà, deux artistes et de religions différentes, on va dire ça comme ça, et puis, mais aussi talentueux l'un que l'autre. N'est-ce pas, Jismi? Du talent, surtout du talent. Et ce que j'ai aimé surtout, c'est le texte en créole tout à l'heure, avec des mots qui on va chercher d'avant. Ouais, je m'en sors mieux en créole qu'en anglais. Ouais. Mais bon, après, bon, ah, non, 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 c'est la qualité des mots qu'ils utilisent. Bah, c'était ça le travail à la base, sur ce genre de compos, c'était vraiment ça, quoi. Merci, en tout cas merci beaucoup. Voilà, moi je vous dis à une prochaine fois. Donc là, comme je t'ai dit tout à l'heure, CAF Rouge, obligé de te recevoir avec Philippe Zora, parce qu'apparemment il y a quelques petites surprises. Il doit y avoir quelques morceaux cachés derrière le soleil, nous attraper là-bas. Et moi je vous dis à tout à l'heure avec Jismi pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. On va écouter tout de suite Entends-tu. Alors c'est un collectif d'artistes de lutte contre la prostitution infantine. Les artistes réunionnais se mobilise. Moi, je vous dis en forme et de bonne humeur. Et à demain, si vous le voulez bien. Ciao, ciao, ciao. À pied
le règne de l'adolescence se suffirait d'insouciance comme fruit qu'à l'indemnité. Car l'âme d'innocence, source de douce confiance, n'a pour simple exigence que de vivre son enfance, vivre son enfance. Petit mignon sans cesse, voulu de bébé, au sourire de caresse, pourtant si clair de vérité, pourtant si beau et si pur, dans ses yeux de petit Dieu, malin il lit le pervers désir, qui plongeait sa lame d'affreux, sa lame d'affreux. Oh, oh, oh. Entends-tu la sublime de voir ton âme enfin éclore, l'âme, l'âme, l'âme d'ivoire qui s'ouvre. Tortionnaire, entends-tu la sublime de voir ton âme enfin éclore, l'âme, l'âme, l'âme qui rêve pour vivre. Grand frère, entends-tu le délire des tortures que l'on inflige? Quelqu'un vous aime-t-il en secret? Un de vos amis? Peut-être ce bel inconnu? Voire même votre ex? Envoyez Devin au 7700, un astrologue vous éclaire. Envoyez Devin au 7700, Devin au 7700. Vous souhaitez communiquer avec votre publicité sur votre entreprise, vos services ou votre événement? Vous ne savez pas à qui vous adresser? Contactez la régie publicitaire de Télécréole. Avec Mediaron, offrez-vous une visibilité télé au meilleur rapport qualité-prix. Diffusez votre publicité 5 à 10 fois par jour pendant une semaine minimum à des tarifs correspondants à votre budget. Alors n'hésitez plus, contactez-nous à régipub@télé-créole.re ou au 06 92 62 21 44 pour tout devis ou disponibilité de nos écrans pub. Bientôt maman ou papa, envoie Kids au 80 88. Et découvre dans combien de temps tu as le plus de chances d'avoir ton premier enfant. Kids au 80-88. Kids au 80-88. Business Magazine Océan Indien. Votre magazine économique au service du monde des affaires dans l'océan Indien. Plus de news, plus d'informations, 64 pages consacrées aux enjeux, aux progrès, aux défis économiques de la région. En vente partout.
Bonsoir ou rebonsoir. On va commencer par notre première invitée, même si elles sont deux sur le plateau. On va juste d'abord parler de la petite entreprise qui ne connaît pas la crise, on l'espère du moins, car elle est seule sur le marché du pousse-pousse. Cela sera à pousser aujourd'hui jusqu'à Télécréole. Elle est dans La Réunion, comment il est ? Je tenais à mon lancement, donc c'est pour ça que je n'ai pas lancé Virginie Salé. Je suis désolé. Virginie Salé, bonsoir. Donc... J'ai peur. Oui, ne vous inquiétez pas. J'ai pris le temps de faire ce lancement, je ne voulais pas le gâcher. À un certain âge, Virginie, tu sais, il ne faut pas trop perturber. Quand c'est écrit comme ça, c'est écrit comme ça. Voilà. Bonsoir, Virginie Salé. Bonsoir, Virginie Salé. D'abord, vous êtes là pour les palettes de Marguerite. Oui. On en parle aussi, puisque de toute façon, avec vous avez un projet en commun, donc ça va être l'occasion d'en discuter. Discuter d'abord, bonsoir, Soutia Serra. Bonsoir. Alors, ce projet, ça est né comment ? Le financement, le crowdfunding qui s'est mis en place, oui. Comment ça s'est passé ? Tout d'abord, je suis tombée amoureuse du concept du crowdfunding, du financement participatif, de la possibilité de réunir beaucoup de monde, du grand public, autour d'un projet et du coup de lui permettre de vivre. Ensuite, moi, j'avais envie de créer quelque chose, une entreprise, ou en tout cas de m'essayer à l'entrepreneuriat. Et puis, à l'époque où j'ai réfléchi à Pousse-Pousse, j'ai eu le nom en tête très vite. Il n'existait pas encore d'autres plateformes sur le marché. Depuis, il y a eu Poc-Poc également. Et du coup, voilà, je me suis lancée. Quand on parle de plateforme, on parle de plateforme de crowdfunding. De crowdfunding, oui, de financement participatif. Et voilà, j'ai vu qu'il y avait un vide au niveau local. Et une plateforme locale avait tout son intérêt, surtout à La Réunion, on est éloigné du reste du monde et de la métropole. Et il y avait moyen justement de créer cette synergie du crowdfunding au niveau international, de la recréer sur notre île pour permettre de créer du lien entre les artistes et leur public, entre des associations comme les Palettes de Marguerite et leur futur... Et surtout obtenir des financements pour des projets qui, quand on regarde bien, sont des projets qui sont totalement viables financièrement. Oui. Ça reste des petites sommes, mais ça permet voilà, un bon projet de voir le jour, peut-être plus rapidement. Ou plus facilement. Les gens qui investissent comme ça sur les projets, est-ce qu'ils ont tout le plan de financement ? Est-ce qu'ils ont accès à ça ou juste le projet ? Si moi, je veux y mettre, on va dire, 50 euros sur un projet que vous sortez, j'ai droit à accès à quoi, en fait, alors déjà, sur le projet ? Tous les projets sont différents. J'essaye de pousser les porteurs de projets à être le plus transparent possible par rapport à la manière dont ils vont utiliser les fonds qu'ils vont récolter. Parce que le don, c'est une question de confiance. Et du coup, plus on se sent en confiance et plus on a une facilité à aider la personne. Donc il y a toujours une partie explicative de comment les financements vont être utilisés, à quoi ils vont servir concrètement. Dans le cas des palettes de Marguerite, par exemple, j'en profite, l'objectif était d'acheter une camionnette pour pouvoir transporter les meubles qu'ils allaient réaliser en palettes. Donc voilà, c'était concret, c'était précis. Ensuite, en échange d'un don, le contributeur va avoir une contrepartie. Et cette contrepartie, plus le don est important, plus la contrepartie est intéressante. Donc ça peut aller du simple remerciement sur une page officielle à, voilà, moi je pense encore aux palettes, mais à une planche de palettes décorée. Il y avait un meuble également qui avait été offert. Donc voilà, plus le don est important, plus la contrepartie est importante. Et du coup, tout le monde gagne. Mais Virginie Salé, on va en parler de ça. Alors finalement, les palettes de Marguerite... Les palettes de Marguerite, c'est bien des palettes qu'on trouve un peu partout. C'est ça, elle est en bois, là, comme ça, qui sont transformées en quelque chose de quoi d'utile, d'art. J'allais dire recyclage. C'est ça. C'est tout ça, en fait. Un recyclage, oui, mais on recycle en quoi ? Eh bien, on recycle la palette. Oui, oui, mais sous quelle forme ? En fait, ça peut être une palette qu'on démonte complètement. Donc à ce moment-là, on a des planches de bois. Mm-hmm. Et des planches de bois, comme toute planche de bois, on fabrique ce qu'on veut avec. Donc ça peut être du tout petit objet au plus grand. Ça peut être un lit, ça peut être une armoire, ça peut être une petite table basse, ça peut être un guéridon, ça peut être une table basse, ça peut être... Un bar, on en a fait. Ça veut dire qu'il y a une demande ? Oui, il y a une demande. Il y a une demande de personnes qui, justement, sont attirées par... Le forme de recyclage. Voilà. Puis c'est beau, on a vu quelques sites, alors pas à La Réunion, mais ailleurs,
Comment ça, pas la réunion? Pas la foule, non. Or le vôtre, on va dire. Pourtant, on est quelques-uns à le faire, la réunion, avec des gens qui ont vraiment... voilà, c'est vrai qu'au niveau création, ça a un champ créatif qui est quand même énorme. Mais toute la récup, hein, pas que la palette. Hein, toute forme de récup, tout objet peut être transformé. Et à ce moment-là, ça laisse vraiment la porte ouverte. Le champ de récupération, c'est toute l'île ou c'est le port? Alors moi je suis basée, on va dire, le port et Saint-Paul, mais voilà, c'est toute l'île, hein. Enfin, si vous, déjà de la récup, pas que de la palette, de la récup, quand on vous suffit de se promener un petit peu dans les chemins, les routes, moi je navigue dans les hauts par mon métier. Il y en a juste en bas dans la société. Il y en a ici, il y en a partout, voilà, hein. On voit sur le bord des routes des choses qui sont jetées. Après nous, c'est un petit peu, voilà, on s'est un petit peu structuré, on est hébergé là sur une plateforme dont c'est une société qui s'appelle AC2V, qui récupère, son métier c'est de récupérer les palettes, de les retaper, de les revendre, et le rebut en fait nous est donné. Donc ça fait, on a réussi à commencer à faire une filière de récup des palettes. Donc voilà, donc on est là, on n'est plus trop obligé d'aller les chercher. Voilà. Un atelier, l'atelier se trouve où? L'atelier se trouve Grand Pourpier. À Saint-Paul, sur la zone, dans la société AC2V, voilà, avec qui nous mutualisons. Vous partagez le grand atelier. C'est ça, on a une partie, on partage des outils. Et puis, combien de personnes travaillent sur la construction de ces, ces éléments en bois? Je suis contente de dire que là, nous sommes 4 et que nous venons d'embaucher deux nouveaux menuisiers avec des perspectives, parce qu'on a eu la chance d'être lauréat d'un PTCE. Alors, c'est un petit peu... PTCE, oui. Alors, j'ai révisé avant de venir, hein, parce que je ne me souvenais plus non plus ce que ça voulait dire. Non, ce n'est pas vrai. Pôle territorial de coopération économique. Mm-hmm. Voilà, donc on a eu la chance d'avoir la ministre qui est venue nous visiter, l'atelier. Et oui, C'est lequel ou laquelle? C'est Martine Pinville, ministre, secrétaire d'État, l'économie sociale et solidaire. D'accord. Voilà. Et qui est venue il y a quelques semaines déjà. Début janvier, c'est ça. Donc qui est venue, à qui mon équipe a fabriqué une lampe en récup et qui l'a mis sur son bureau. On est très très fiers. Elle était contente. Non, très contente. Bravo. Ma question, c'est quel est le statut des 4 personnes qui travaillent chez vous? Ils sont salariés, ils sont sous contrat, oui. Aidés ou bien... C'est ça. En fait, ce que nous faisons, donc l'objet de l'association, c'est de faire de l'insertion. Donc à travers c'est une association. C'est une association, voilà. Combien au niveau d'ordre de tarifs non, pas tarifs. Non, mais ça équivaut à quoi on va dire, je sais que maintenant ils font des canapés en palette. Par rapport à un œuf, à ce qu'on va acheter chez une grande enseigne, on va dire, est-ce que c'est plus cher ou moins cher? Tout dépend du... Ça dépend du projet. En fait, ça va dépendre de la manière dont on doit travailler la palette. Si on doit beaucoup la travailler, c'est en volume de temps. Donc, si on doit beaucoup la travailler, ça va coûter plus cher. Si on doit moins la travailler, ça va coûter moins cher. Ce qui explique donc un devis avant de commencer. Il y a un plan, le plan de l'objet qui est présenté. C'est et vous... Vous faites ce qu'on appelle le métrage pour savoir et le temps que vous allez. C'est ça. Puis après, est-ce que vous voulez brut ou peint ou verni? Ou très travaillé, très arrondi, avec des motifs, tout ça, ça rentre en jeu. C'est ça. Eh ben oui, exactement. Et en fait, nous, ce qu'on apporte dans l'association, c'est justement le sur-mesure. C'est-à-dire que vous avez un endroit chez vous. C'est du vrai design, en fait. C'est du design. Oui, on va. Oui, disons. Vous n'avez pas l'air très convaincue. Si, ça fait un petit peu grand, mais oui, on aime créer en fait. Donc voilà, on a un matériel qui nous permet quand même de créer. Après, plus il y a de la création, plus le prix est élevé. Donc s'il y a moins de création, le prix va être moins élevé. Voilà. On essaye de toucher à la fois la
clientèle qui voilà, veut un produit fini ou qui est sensible au fait que ce soit de l'insertion, qui est sensible au fait que ce soit de la récupération, parce que vous parliez des grandes enseignes. Moi, j'ai rien contre les grandes enseignes. Hein. Ce que je veux juste dire, ce que nous, nous défendons, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Mmh, c'est-à-dire que la palette, on la récupère ici, on la transforme ici avec des salariés d'ici et on la revend ici. Voilà, donc c'est ce que nous défendons sur ce projet aussi. Cette aventure dure depuis combien de temps ? 2 ans. C'est pas vieux. C'est tout neuf. Oui, c'est tout neuf. Je vais revenir à Sonia Serra. Donc tout à l'heure, juste pour vous faire pour le gag tout à l'heure que j'ai pu faire, elle m'a demandé pouce-pouce, c'était, est-ce que c'était la glace ou le... Et j'ai dit que c'était le pouce-pouce. Ouais. C'est vrai, dans mon époque, on avait des petites glaces. Oui, moi je suis de la même époque. Ça me rassure pas. voilà, pas ça fait pouce-pouce. Non, mais je la voyais tellement jeune. Bon. Alors j'essaie de reprendre mon esprit. Bon, oui. Mais là, oui. Moi, je ne connais pas. Je dois être beaucoup plus jeune que vous. Oui. On en parlera tout à l'heure. L'idée derrière le nom Pousse-Pousse, c'était de voilà, donner un coup de pouce et faire pousser des bonnes idées, des projets locaux. Donc ce patron de crowdfunding aujourd'hui, quels sont les autres projets qu'elle soutient ? Alors, en ce moment, il n'y a pas de projet en ligne, mais il y en a 3 ou 4 en préparation. J'ai 3 ou 4 parce qu'il y en a un qui est en attente de validation. On a un projet qui va arriver avec une association qui s'appelle La Lanterne Magique, qui organise des événements autour du cinéma. Un autre projet dans le high-tech, cette fois, autour de l'impression 3D. Je vous en dis pas plus, mais ce sera tout nouveau pour La Réunion. J'ai également un projet en cours dans l'édition avec le magazine Tichouchou. Donc voilà, c'est des projets qui vont arriver dans le courant du premier trimestre. Et j'en attends encore d'autres par la suite. Quel est votre volume de financement par an, ou pour l'année dernière, par exemple, 2015, combien d'argent ? Alors l'année dernière, c'est la première année d'activité. D'accord. On a eu 5 campagnes de financement réussies et on a collecté un peu plus de 1 000 euros. Donc ça a permis voilà, l'achat d'une camionnette, d'un combi, l'organisation d'un événement qui était Alternatiba en novembre dernier. Et il n'y a pas que le financement participatif aussi le développement participatif que j'aimerais vraiment pousser auprès des associations. Et c'est donc sur le même principe, demander au public, mais là plutôt que de demander de l'argent, on peut demander de l'aide. On a organisé justement le vélo photo tour, dont le principe était de faire un relevé cartographique et photographique du réseau cyclable. Et le tour a été fait en 3 jours, et du coup, on a eu besoin de personnes pour nous accueillir le soir. Et on a réussi voilà, à faire tout ce tour-là, avoir une voiture balai, des gens qui sont venus naturellement nous aider pour réaliser ce tour de l'île, et même au-delà, puisque le vélo photo tour va donner lieu à une carte interactive du réseau cyclable qui sera participative, dans le sens où le grand public pourra venir alimenter la carte, dire les endroits qui sont cyclables, pas cyclables, d'accord, etc. Super. Avec ce que vous venez de dire concernant cette plateforme de crowdfunding et la façon de travailler, non seulement on va bien sûr dans l'économie circulaire, parce qu'on voit très bien qu'on essaye de répartir les moyens, mais sur ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, à travers, par exemple, les palettes de Marguerite. Aujourd'hui, entre l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire, est-ce qu'il y a aujourd'hui, par rapport à ce que nous présente le système économique choisi, non pas au niveau de la France ou de l'Europe, mais au niveau mondial, est-ce que ça peut être une réponse à ce qu'on voit aujourd'hui dans les entreprises ? C'est une alternative, et c'est une alternative qui est complémentaire de ce qui existe aujourd'hui. Je ne remplace pas les banques. On en a d'ailleurs besoin pour justement gérer ces opérations de dons. Mais c'est une alternative, c'est une complémentarité au système de financement. Et ça fait partie de l'économie sociale et solidaire dans le sens où on recrée du lien entre les entreprises et la société. On réimplique le consommateur en amont du projet. Demain, on ne va pas seulement assister à un concert, on va avoir aidé en amont l'artiste à organiser le concert ou à publier son album, et ensuite on va participer au concert. Mais du coup, l'expérience, ça va être beaucoup plus riche, parce qu'on se sera impliqué dès le début du projet. Et puis, la consommation du produit, entre guillemets, que ce soit de la musique ou autre, elle débute au moment où la participation commence. C'est ça. La personne, le donateur, devient acteur de sa consommation. Acteur et consommateur. Il décide, il participe,
et du coup ça crée du lien, ça crée une solidarité entre les porteurs de projets, les donateurs. Qu'est-ce que vous attendez par exemple comme projet à La Réunion qui mériterait que quelqu'un essaye de le faire et qu'à la rigueur demain, ou si vous avez les moyens, vous essayez de le soutenir? Quel projet manquerait à la rigueur? Moi j'attends vraiment tous les projets. J'ai une petite préférence pour les projets créatifs et artistiques. Mais tous les projets sont les bienvenus, et c'est ça qui est formidable, c'est que n'importe quelle entreprise, demain il y aura une entreprise qui va se lancer dans de l'impression 3D, une association, la Lanterne Magique, qui va vouloir créer des événements cinéma n'importe où dans l'île, grâce à un écran gonflable. Mm-hmm. Donc tous les projets, tout type de projet est le bienvenu. Après, j'ai une petite préférence pour les projets artistiques, pour tout ce qui touche au recyclage, à la préservation de l'environnement. Ça, ce sont mes inclinaisons personnelles. Mais tous les projets sont les bienvenus, à condition qu'il y ait un projet précis et une création derrière qui soit compréhensible par le grand public. Si c'est juste un besoin d'avoir plus d'argent, ça ne va pas passer. Ça n'avancera pas. Juste tout à l'heure, je disais que les palettes de Marguerite, c'est pour une insertion. Est-ce que, à terme, ça peut déboucher sur une structure privée, c'est-à-dire une entreprise? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un marché au niveau de La Réunion? Parce que c'est aussi ça l'enjeu. Vous testez là, non pas l'économie circulaire, mais l'économie plus sociale et solidaire. C'est-à-dire que le Réunionnais peut consommer ce qui sort de vos ateliers, et ça peut permettre de pérenniser les emplois, non pas sur des statuts de contrat aidé, mais sur des statuts de salariés. L'objectif, c'est de pérenniser au maximum les personnes qu'on a formées au sein de l'association. Après, ça reste quand même assez fragile pour l'instant. On a besoin. Et puis, l'objectif aussi de l'objet de l'association, c'est de faire de l'insertion. Donc, on aura toujours ces personnes qu'on va prendre, qu'on va former, qu'on va... Voilà. Ce qui est intéressant aussi, par exemple, avec le PTCE, c'est qu'on va se développer. On va créer une filière, on va créer des débouchés. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de se structurer. Et structurer cette filière entre, on est quatre. Il y a deux entreprises et deux associations. Donc là, on est en plein dans le partenariat, un peu le partenariat public-privé, qui est redéfini, on a renommé autrement, mais c'est sur un territoire, de développer ce genre d'économie, et l'économie sociale et solidaire, dedans l'économie circulaire. C'est un petit peu compliqué, mais voilà. Après, donc, sur ces filières, on a aussi des chemins d'insertion, avec des débouchés peut-être plus chez moi, mais dans d'autres, avec une formation, avec une expertise, parce que la récupération, est fort heureusement, c'est quelque chose qui se développe à La Réunion, on est un peu obligé. La récupération de la palette, vous irez plus loin que de la palette? C'est-à-dire? Autre objet de récupération que la palette de bois? On récupère tout, de toute D'accord, façon. D'accord, donc tout. C'est pas essentiellement que de la palette de bois? Non, on récupère aussi du bois. Quand on en trouve, on récupère aussi, par exemple pour la lampe, là où on met l'ampoule, c'est c'est une boîte d'olive en verre. D'accord. Par exemple, ça c'est de la récupération, c'est du verre. On s'en est resservi. Après on le travaille un petit peu. C'est vrai que principalement c'est les palettes et le bois, mais ça n'est pas que ça. Voilà. Mais c'est pas une ressourcerie. D'accord. C'est la différence. On ne récupère pas les objets, les vélos par exemple, ou l'électroménager pour le réparer et le revendre ou le remettre sur le marché. C'est pas ça. Voilà. Et sur le matériau, puisqu'à La Réunion, on voit que notre île n'est pas toujours très propre. Il ne faut pas non plus aller nettoyer pour s'encombrer, d'une part. Mais est-ce qu'il existe d'autres matériaux qui pourraient, comme la palette, servir de matériaux de travail pour... que ce soit pour l'insertion ou pour créer un emploi, par exemple? Il y a le linge qui est en train de se développer. Toutes les filières de récup de linge sont maintenant nombreuses. Il y en a, je crois, dans tous les coins de l'île. Il faut savoir que c'est issu, bien sûr, de ce qu'on appelle la brocante,
que les vêtements sont exposés, donc on voit que... Et puis il y a aussi ceux qui sont très malins et qui voient dans ces vêtements-là une seconde vie pour la... Bah là, en fait, c'est des bornes, hein, comme pour le verre. Mmh. Des bornes, on met le linge dedans et après, bah, ça a créé de l'emploi aussi. C'est comme les bornes à Croix-Rouge en métropole, ouais, on dépose voilà, notre ballot de linge. Oui, après, pourquoi pas d'autres filières. Mais c'est... Je pense que là, on est à La Réunion, on est à un moment charnière où je pense que les pouvoirs publics et les politiques se penchent vraiment sur les problèmes de nos déchets et de voir comment on peut les traiter. Vous parliez de l'économie sociale et solidaire. Si je puis me permettre, je pense que c'est là où on aurait le plus grand gisement d'emplois futurs. C'est dans tout ce qui peut être l'économie sociale et solidaire. Juste un mot, parce qu'avant, on récupérait, il y avait ce qu'on appelle les consignes, des bouteilles de verre qu'on récupérait. Apparemment, on tend vers ça. Il y a aussi quelque chose qui s'est créé, s'est ouvert à Saint-Denis. C'est une boutique en vrac, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sachet, il n'y a pas d'emballage, et que les gens qui arrivent viennent avec leur sac ou leur cabas ou leur tente pour acheter des grains, du riz, les aliments, un petit peu comme les boutiques chinoises d'avant, parce que c'est quelque chose qui... Il est clair qu'aujourd'hui, on veut tendre vers la fin de tout ce qui est sachets plastiques et emballage. Aujourd'hui, il y a aussi une chose sur La Réunion, c'est qu'il y a une bière qui est très consommée, et chaque année, il y a plus d'un million de canettes qui restent dans la nature, qui ne sont pas récupérées, alors qu'il faut savoir que ça peut rapporter quand même... Ça peut rapporter gros. Non, c'est-à-dire 100 000 euros par... Si les bouteilles sont récupérées, c'est 100 000 euros que les gens peuvent récupérer. Donc, derrière ça, avec cette préférence que vous avez pour tout ce qui est recyclage, est-ce que vous allez proposer ou est-ce que vous attendez qu'on vienne vous le dire ? Je vais en partie proposer. Justement, avec l'événement Alternatiba, j'ai proposé en fait une bourse aux idées. Donc tout le monde pouvait venir déposer son idée, une idée alternative pour recycler, pour changer tel ou tel système. Et donc les gens ont voté jusqu'au mois de décembre. Et pour l'anniversaire de Pousse Pousse, qui va être début mars, je vais révéler les deux gagnants, en tout cas les deux idées qui ont remporté le plus de voix. Et l'idée derrière, c'est de faire se rencontrer les gens qui ont voté pour et la personne qui a eu l'idée, et de voir s'il est possible de la mettre en place. Avec une partie, voilà, s'il y a besoin de financement, il y aura Pousse-Pousse. S'il y a besoin d'organisation, on peut faire une campagne de développement participatif. Et il y aura aussi toutes ces personnes qui seront déjà un petit peu impliquées, un petit peu sensibilisées à ces projets. Et dans ces idées, en tout cas dans celles qui arrivent jusqu'ici en tête, ce sont des projets, le vrac notamment, le recyclage, la récupération de fruits. Également, il y a beaucoup de fruits qui restent, qui sont gâchés. Donc j'essaie aussi d'impulser C'est une question qui est essentielle. Chaque année, il y a des tonnes de fruits qui restent. On parle de litchi, oui, bien sûr, mais il peut y avoir les longanis. Il y a d'autres, comme les fruits à pain, restent souvent sur l'arbre parce que personne n'a envie de se casser la figure pour essayer de monter là-haut pour casser deux fruits à pain. Avant, on avait faim, on le faisait. Maintenant, on peut s'en passer. Dommage. La question, c'est est-ce que on peut former des personnes qui sont chargées d'aller cueillir des fruits ? Parce qu'aujourd'hui, ça peut rapporter. Quand on voit les tonnes de fruits qui restent, et mieux encore, on le voit chaque année, pour l'export, il n'y en a jamais assez. Et alors que les fruits pourrissent sur le pied, quoi. Oui. En tout cas, il y a quelque chose à faire. Après, au niveau de la formation, ce projet-là, s'il voit le jour, il faudrait forcément qu'il y ait une réflexion sur... le côté sécurité également, puisque pour grimper aux arbres, les élagueurs ont une formation et une exigence. Et ils ont surtout toute la sécurité derrière, les harnais. Ils travaillent sur ce qu'on appelle les élévateurs télescopiques. Oui. Donc, ce qui permet de diminuer un maximum le danger. Risque. Donc, c'est des questions qui vont se poser. Mais en tout cas, voilà, il y a une problématique. Il se trouve que beaucoup de personnes trouvent que l'idée est valable. Et voilà, ça fait partie, le petit coup de pouce que moi je vais réussir à donner, ce sera peut-être sur ce projet-là. Justement, sur ce projet-là, parce que ça me tient un peu à cœur pour être honnête, parce que je regarde chaque année, je regarde ces arbres fruitiers qui pourrissent, enfin ces fruits qui pourrissent sur les arbres. Mmh. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait inciter quelqu'un à vouloir se former ? Quels moyens il pourrait avoir avec vous, par exemple, pour se former ? Ou alors directement à la Chambre d'agriculture, ce qui est toujours aussi possible. Oui. La Chambre d'agriculture, il y a des entreprises, notamment celui qui a gagné
la dernière Startup Weekend qui va travailler avec les fruits laissés de côté, entre autres, pour leur donner, les revaloriser justement. Donc il y a certainement moyen de trouver pas une seconde vie, parce que du coup ils ne sont pas des déchets, mais une vraie vie à ces fruits qui sont aujourd'hui laissés de côté, laissés à pourrir, ou garder une partie pour les oiseaux et le reste. Voilà, éviter en tout cas le gâchis qui existe chaque année, et aussi bien pour les litchis que les mangues, que les fruits à pain. On voit aussi qu'au niveau séchage des fruits et des légumes, il y a aussi toute une filière, filière également à développer. C'est évident. Je vais revenir à vous, Virginie Salé. Je vous passe la balle. Je vous renvoie la balle, pardon. Sur les fruits, hein, parce que je ne suis pas spécialiste. Moi, si je peux faire un échafaud pour aller cueillir les fruits. Mais puisque vous en parlez, avant de revenir à ma question, quels sont les objets que vous créez à partir des palettes? Comme je disais tout à l'heure, on est vraiment du... Du basique, du très petit. Là, on a porte-cartes, par exemple. On a une lampe, on fait des lampes. Table basse. Abat-jour. Oui, tout à fait. Tabouret de bar, petit tabouret. Des meubles, des étagères. Des armoires, des étagères, oui, on fait oui, tout ça, oui, des placards. Oui, des placards. Oui. On a fait un banc avec un grand banc avec deux grands tiroirs en dessous pour quelqu'un, pour que ça devait rentrer dans sur sa terrasse. Avec donc on avait toutes les mesures. Voilà, donc c'est. Tout est possible. Je ne sais pas si la question va vous plaire, mais je vais vous poser quand même. Vos prix... Je ne répondrai pas si ça me plaît. Merci, c'est gentil. Vos prix sont supérieurs ou inférieurs de combien par rapport au marché? Mais dans une fourchette, bien sûr. Hein, je ne veux pas... Je ne 10%, pas. Je 15%. Je ne sais pas, quelle marché. J'aurais été vexée si elle avait répondu, parce que c'est la même question que j'ai posée tout à l'heure. Tout à fait, je n'ai pas répondu. Et elle a fait tout le tour de la question. C'est ça, je n'ai pas répondu. Non, mais je peux pas répondre. Si vous allez... Une table basse toute simple, avec deux petites roulettes, un peu de ponçage, mais rien de plus, sans couleur. À combien je vais la faire? Ouais, à peu près, un peu approximativement, je ne veux pas la virgule près. Toute simple. Toute simple, les quatre petites roulettes. Il faut quatre roulettes quand même. Ouais, quatre roulettes quand même. Ah, ça craint. Ah, pas bon. Il faut déjà acheter les quatre roulettes. On va essayer de les récupérer. Donc voilà, une petite table basse qui se... Je sais pas, 70, 80, d'accord. 100 euros, ça dépend... De la taille de la palette. Oui, c'est pas de truc, oui. Mm. Ah, c'est quand même intéressant. Et puis, c'est un modèle unique. Merci. C'est ça, c'est un modèle. Essaye de rentabiliser son investissement. c'est ça qui est important. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a un marché? Parce qu'après, je vais vous demander de vous donner vos contacts, vos coordonnées pour que j'en puisse vous contacter. Est-ce que le marché aujourd'hui, on l'a vu ce qu'a fait Nassima Dadar avec le bois, le goyavier, au conseil départemental. Mm-hmm. Est-ce que pour les objets fait à partir des palettes de bois, est-ce qu'il y a un marché à prendre? Alors, je pense que oui, parce que je ne suis pas le seul acteur sur le marché à La Réunion, donc oui, je pense que oui, il y a encore des choses à développer. On n'a pas tout inventé, tous les créneaux n'ont pas été pris. Alors ce qu'il faut savoir par rapport aux palettes de Marguerite, c'est que ça a été mon credo dès le départ, c'est-à-dire que moi je ne voulais pas que l'association vive de subventions publiques. Bon, au niveau du fonctionnement. Après, voilà, c'est pour ça que on a fait appel à Pousse-Pousse. C'était intéressant aussi parce que nos valeurs, quand même, on a des valeurs communes. Donc voilà, donc c'était un partenariat qui était très intéressant. Donc on a pu, par ce biais, avoir un financement pour notre camionnette. On a fait d'autres concours, certains qu'on a gagnés, voilà, très modestement. Hein. Mais on ne vit pas de subventions publiques au niveau du fonctionnement. C'est-à-dire que le modèle que j'ai voulu faire, c'est un modèle où on doit fabriquer
et vendre. Donc ça veut dire qu'on doit commercialiser, ça veut dire qu'on doit faire attention aux produits, ça veut dire que voilà, on a des premières choses que j'ai faites, c'est d'avoir un logo, d'avoir un site, d'avoir un Facebook, d'avoir, j'ai un Twitter aussi, même si à La Réunion ça fonctionne un peu moins bien. Mais voilà, de développement, on a des clients, donc les personnes qui travaillent, ben voilà, ils travaillent pas comme ça, ils ont vraiment un cahier des charges avec des gens qui leur réclament des choses et voilà. Donc pour le développement, alors je ne sais pas si on peut mettre en parallèle avec le département c'est pas de mettre en parallèle, c'est de voir que derrière il y avait les moyens du conseil départemental, on ne va pas comparer non plus. Et puis il y avait une volonté de la présidente de faire en sorte que ce qu'on appelait une peste végétale devienne et est devenue d'ailleurs un bois qui aujourd'hui va devenir noble parce que on l'apprécie en abribus, on préfère ça aux choses qui sont un peu austères, et c'est vrai. Mais là, dans ce que vous faites, je veux dire, est-ce que vous allez pouvoir sortir, surtout c'est ça ma question, et par rapport au financement crowdfunding, est-ce que ça va rester un petit peu, et vous allez m'excuser pour le terme, un petit peu quelque chose, j'allais dire, un petit entreprise de la misère? Et où est-ce que ça peut devenir une vraie entreprise stable qui vend, qui a des clients, qui vont faire travailler des salariés à partir des revenus de ce qu'ils ont créé? Est-ce que ça, c'est aujourd'hui, c'est envisageable pour les palettes? Moi, je crois pour les beaucoup, palettes, en tout cas, en toute l'économie du recyclage et les palettes de Marguerite aussi bien que d'autres personnes qui s'investissent là-dedans et qui considèrent les déchets comme une matière première, comme une vraie matière première, comme une ressource. Et on ne peut aller que vers cette économie-là puisque nos ressources officielles sont en déclin. Du coup, voilà, se réapproprier des choses qu'aujourd'hui on rejette pour en faire une vraie ressource, une vraie fortune, voilà, il y a tout un marché à développer, oui. En tout cas, c'est notre ambition. Sinon, on mettrait pas tout ça en place. Oui, c'est notre ambition que tout ça devienne durable. On parle aussi, on parlera tout à l'heure d'insertion. Est-ce que ce public que vous avez, qui pour travailler, est-ce que ce public a la conviction que ce qu'il fait a un avenir? Est-ce qu'on le sent impliqué? Est-ce qu'on sent l'envie de dire on va s'en sortir et à partir de ces palettes-là, on peut fabriquer quelque chose qui va durer, qui va devenir pérenne? C'est ce que moi j'essaye quotidiennement de... D'inculquer, oui. Après, voilà, c'est toujours compliqué. C'est toujours un peu compliqué. Quand on y arrive, on est très content. Moi, je suis très contente de pouvoir dire que de l'emploi a été créé, que des personnes ont appris, que voilà, que j'ai une personne... Ils sont motivés quand ils viennent vous voir? Ça dépend. Ça dépend qui. Mais en tout cas, moi, je vais prendre plus le motivé. Ça, c'est sûr. Puisque, voilà, je mets... Tout de suite, en fait, on est une association, mais dans le fonctionnement, on tend vers une entreprise. Donc, voilà, avec des respects. Un euro qui existe, un euro investi, il faut vraiment qu'il y ait un équilibre financier. Ben oui, puis on est regardé. Je vous ai dit que je n'avais pas de subvention sur le fonctionnement, mais j'ai quand même des subventions sur l'investissement. Oui, mais... voilà, on est soutenu. Donc, j'ai des comptes à rendre, et c'est normal. J'ai des comptes à rendre à tout le monde, enfin, déjà aux salariés, parce que je les embarque aussi avec moi. C'est une association qui est jeune. Donc voilà, puis tous mes partenaires maintenant, donc voilà, faut être très vigilant, tout est toujours un peu vacillant, mais voilà, on résiste et puis on progresse. Justement, c'était ma question, je vais continuer sur le thème, que est-ce qu'il faut aussi que l'humain s'investisse plus dans ces projets-là? Parce que ce qui manque finalement, c'est bien ça, c'est l'envie. Envie d'avoir envie. Tiens, Johnny a idée là. Non, c'est vrai. Il faut donner envie, je veux dire. Il faut vraiment que les personnes s'investissent. Et ça, c'est pas toujours évident. Parler des salariés. Je parle de l'ensemble, bien des politiques, aussi bien des gens qui entourent, tout ça, avoir envie d'avancer. Même des clients, parce qu'ils font partie de. Du cercle, hein? Oui. Après, de remettre un peu l'humain au centre, et voilà, moi, ça m'intéresse.
au-delà de faire du chiffre, etc. Ça, c'est pas mon point de départ. Même si pour vivre, on en a besoin. Voilà, c'est de... Oui, l'association, moi, c'était aussi au départ de, d'avoir un impact au niveau écologique. C'était important aussi, hein, avec l'insertion, avec voilà, le modèle économique. Oui, l'humain, c'est important, bien sûr. Quand on aura tous compris ça, peut-être que... Ça irait mieux ? Peut-être que le monde évoluera, évoluera autrement. Mais peut-être que aussi le monde évolue et qu'on va être obligé de changer notre vision des choses et de consommer autrement et de réfléchir autrement et de voilà, peut-être qu'on sera obligé. C'est en train de se faire, hein. Oui, en tout cas moi j'y crois beaucoup, des projets comme ça il y en a de plus en plus, influent sur les changements qui sont en train de se faire au niveau de la société. On va plus chercher les alternatives, on essaye de réduire nos déchets, de faire attention à ce qu'on consomme, à l'énergie. Enfin, le monde est en train de changer et toutes ces initiatives, celles que je vais supporter demain avec Pousse Pousse ou avec d'autres associations, font partie de tous ces changements qui sont en train de se mettre en place. S'il y a eu autant de gens à Alternativa l'année dernière, c'est parce qu'il y a un réel besoin, un réel appétit pour les alternatives. D'accord. Alors, ce que je vais vous poser ma dernière question, parce que ça me taraudait depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui était plus facile, finalement ? C'est de décrocher cette médaille d'or chez les Océans Indiens, ou aujourd'hui, de faire ça ? Je ne vois pas pourquoi vous parlez de ça. C'est pas si loin que ça. Malheureusement, si. Si c'était plus facile, c'est vraiment sur deux univers complètement différents. Ce que je fais actuellement, c'est quand même extrêmement difficile. Voilà, humainement, stress, voilà, mais c'est aussi très valorisant, c'est, voilà. Donc, moi, j'ai des convictions, je suis volontaire, je suis même obstinée, je vais y arriver, j'y crois, etc. Voilà, donc je trace. Après, les Jeux des Îles, voilà, ça a été une période, ça a été la fin d'années de pratique pour moi, là, un peu l'apothéose, et puis, voilà, un moment aussi magique... 1998, dernier chalet, décroche la médaille d'or. J'étais à peine née. C'est en ping-pong. Tennis de table. Tu cherchais, non, mais dis-le franchement, tu cherchais, t'as pas trouvé. Non, j'ai pas trouvé, mais j'ai cherché quand même qu'elle me le dise, c'est pour ça que j'attendais. Tennis de table. Mais c'est vrai que c'est important, parce que c'est vrai que lorsqu'on n'est pas seul à se battre, il faut entraîner les autres, c'est pas évident, en fait, c'est ce que je voulais vous faire dire. Oui, après, bon, l'expérience sportive et l'expérience sportive de, pas dire de haut niveau, mais enfin d'un certain niveau, où il faut, voilà, ça m'apporte actuellement, oui, d'être une battante, d'avoir envie peut-être pour tout le monde, quelquefois, d'aller décrocher des médailles, autres que des médailles d'or, mais d'autres médailles, voilà, effectivement. En tout cas, je vous remercie pour toutes ces informations. Merci de montrer aussi qu'il y a une autre forme d'économie qui se développe, parce qu'on en parle souvent, mais c'est pas toujours, on ne peut pas toujours toucher du doigt. Et c'est vrai que là, quand on regarde, on vous écoute, il y a des espoirs de voir se mettre en place des choses qui peuvent être pérennes. En tout cas, Virginie Salé, merci. Vous merci êtes donc vous. L'association merci. Les Palettes de Marguerite. Et cela sera donc pour la plateforme de crowdfunding Pousse Pousse. Merci pour toutes ces informations. J'espère qu'on aura l'occasion. Oui. Je peux juste rajouter une petite chose. Le 1er mars, nous allons ouvrir notre showroom. Au port. Donc, je pense qu'on fera, on invitera Pousse Pousse, bien évidemment. On fera, dès qu'on sera bien installé, on fera voilà, quelque chose. Ça aussi, surtout au port, c'est très symbolique et voilà, c'est quelque chose d'important pour nous, de ce petit développement supplémentaire. Et voilà, donc pour nous joindre, c'est le Facebook et le site internet. Comme on le fait généralement. Merci Vanessa, merci Sonia Serra. Merci Jessica. Un mot à rajouter Aucun. D'accord. Je boude. D'accord. Tu as boudé tout à l'heure, je boude maintenant. Chacun son tour. C'est moi, mon petit coup de calcaire, c'est maintenant. Merci Jessica. Mais non, on se donne rendez-vous demain. Comme d'habitude, j'y suis en forme et de bonne humeur. On se voit demain. On a même retardé la page pub. Donc, on va vous laisser avec la page pub. On va juste vous dire à demain. Si vous le voulez bien.